Hello, c'est 907. On va se réessayer. Ah, t'as un petit peu. Je vais amener un truc pour faire de la distraction. Voyons voir. Un peu d'artifice, tiens. Ok. Puis on va y aller en voiture, ça va être moins long. Bam. Oh! 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 Ok, direction l'éclair. Et après ça, je vais aller voir c'est quoi le doigt là. Bang! Bang! On va laisser la voiture ici. On va essayer de faire un petit peu de bruit au loin. Admettons que je mets un feu d'artifice juste ici. No more of that. Ce qui devrait me donner un peu de temps à m'éloigner. Let's go. On va ranger notre ami. What a wonderful smell we've discovered. Où est le salut du cœur? C'est bien sûr. Fire in the hole! That sure left a mark. Oh, you weren't yes. So fucking tough. I don't know about you, but I feel safer already. You, get up. Dear God, I'm tired. Espèce de merde. Oh, il est dans ça. Je déteste. Getting low on that. Oh God. Ah ouais, recharge, recharge, recharge. Ah oh, espèce de salaud. Bon, ok. J'ai vengé mon cher ami. J'ai failli passer à cause de ce sauvage. Mais bon, j'ai réussi à clearer les risques d'attaque de zombies. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh. Intéressant. Prenons. This will slow me down. Prenons le plus de stock possible. Je vais aller au voiture. J'ai une couple de trucs à aller transporter à la base. I gotta rest a sec. On va juste équiper ceci. Oh, il y a un gros magazine en plus. Cool. Très intéressant. Mais bon, on va rester avec l'arbalète. Question d'être un peu plus subtil. Je vais prendre les grosses armes. Quand je vais essayer de prendre une base d'assaut. Puis on va utiliser ceci pour se guérir un peu de mon traumatisme, comme ils le disent si bien. Un ami dont le besoin. Dont le besoin. Let's go, let's go, let's go. On va essayer de prendre un peu le stock, le reste du stock qui est là-dedans. Et voilà. Bon! Une bonne chose de faite. Je vais aller voir. Il est où le truc? Il est là-bas. On va aller voir. On va aller voir c'est quoi. Je vais revenir après. Une petite pause. Bon, nous y voilà. Nous y voilà. Arrivé à destination. Hello out there. My name is Ray Santos. Ray Santos. You don't know me,
But I'd like you to become my neighbor. Here in Trumbull Valley, we're looking for good folks willing to work hard to rebuild this land. If that sounds like you, then I suggest you pack up your stuff and join us here. There's plenty to live for in Trumbull Valley. Okay. Échanger n'importe quelle ressource. Let's make a deal. Yeah, sure. Faut que j'achète de quoi? You got something for me? Yeah, sure. Ah, d'accord, voilà. If we don't get some ammo soon, we're gonna be sitting ducks. Hey. We've made good partners. I think they'll give us better prices in the future. And trade is the key to our survival. Donc, si ça se trouve, j'étais sur le mauvais truc tantôt. Oh, ben on va retourner à base. Finalement, c'était vraiment juste pour un échange. Et il y avait un marchand. On va aller... Oh mon dieu, il est vraiment pas loin. Check that box on the to-do list. Yay, c'est temps de tirer, c'est fini. Bon. Ah, attends. Je disais qu'il était pas si loin que ça, mais il y a comme une montagne qui me sépare de là. Ouais, voir. Signal mystérieux. Non, on va retourner à base, puis je vais prendre le temps de fouiller aux alentours. On va voir, c'est quoi toi, tu deviendrais quoi comme chef? On va regarder pour mettre quelqu'un en chef. Commerçant. Entrepôt commercial? Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, on va faire elle comme chef. Ah, direction la base. On va retourner à la maison, on se pourrait, tu verrais bien. Non, pas non. Non, je vais être de retour à la maison. Oh, nous voilà à base. En plus, elle a réussi à finir le stand de tir. Est-ce que je peux l'améliorer dans le jeu? J'ai la solution pour nos besoins. Recruit plus de gens. Non, pas vrai? Oui, j'aimerais bien recruter du monde. ok, bon. Essayons d'aller recruter du monde comme qu'elle l'a dit. On va juste reprendre un arbalète. Parce que je ne crois pas avoir besoin d'une arme à feu. Où est-ce que je suis? J'ai plus beaucoup de trucs à soigner. Hein. Ouais, on va juste prendre trois petits pots de même. Et on va aller looter aux alentours. Est-ce qu'il y avait un autre véhicule proche? Ça n'a pas de l'air. On va aller voir là en même temps, je vais pouvoir. Checker un peu aux alentours. Regardez aux alentours et marcher. C'est un anglicisme. français. Je suis pas très bon en français. Et pourtant, c'est ma langue natale. C'est très étrange. Ça m'étonne que j'ai pas une munition. J'ai pas. Hey, what? Oh! We heard about your plan to clear out the blood plague. We're on board if you can help us with something first. Oh. We need help gathering specimens for our research. It could get a little ugly. You want in? I'm on the move. Don't go anywhere. Étrange requête. Soldat McGregor. Oh. En tout cas, je viens d'avoir une belle place. Personnel must observe the content. Decontamination. That's nice. Ish. En effet, nice ish. Parce que des grenades incapacitantes, c'est pas si utile que ça contre des zombies, je dirais. Y'a-t-il autre chose en haut? Non. Pardonnez-moi. Je suis en train de m'étouffer avec ma propre salive. Allez, loupe-moi ça. Il y a 7 conteneurs à looter ici. Oh,
Un petit truc de soin. It's clear. For the moment, it's clear. For the moment. Ici, peut-être, celui-ci peut contenir des munitions. Scavengers can't be choosers, I guess. Oh, ben, un beau tomahawk. Tomahawk. Allez, mets-moi ça. Je vais regarder en même temps, et où c'était quoi ça? Où est donc cette quête? Ah mon dieu, il était pas loin, je l'avais pas vu le dernier coup. Étrange. On va aller les voir. Je vais aller parler à Kyoko, j'imagine qu'elle a des problèmes. Ah, ça doit être commerçant, ça fait partie de la quête de mon personnage, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à looter dans le coin? Je suppose d'avoir deux autres choses à looter. Ah, juste dans cet enclos étrange là. Les gens se faisaient enfermer comme des petits singes. Oh, un pistolet! Piou piou piou! J'ai un arme. Y a-t-il un silencieux sur le bout? Non, mais il tire assez rapidement, merci. Où est ce dernier conteneur là? Il me dit qu'il y a un autre conteneur, mais où est-il? C'est du safari? Ça fait petite partie de ça? Non. Ah, en haut là! Une échelle. Elle a tout un pistolet, ma chère. Allez. Nothing more to find here. Oh, let's go. Rien d'autre d'intéressant. Bon. Où est le véhicule? Yay, cardio au maximum. Je pense que c'est le premier personnage qui a un cardio au maximum, n'est-ce pas? On va aller chercher de quoi? Dynamique. Réduction des coûts d'endurance pour le corps à corps. Bon pour les armes lourdes. Saut, chassé et coup puissant déverrouillé. Time for me to go knock down some brainless. Nice. Donc elle est sur les armes lourdes. Ok, bon. On va aller voir ce qu'ils ont à offrir ces gens-là. Oh, je vais juste skipper de parler à Kyoko. Je sais pas c'est quoi ça ferait si j'y parle pas. Parce que j'imagine que ça doit affecter le moral si j'y parle pas de ses inquiétudes. Quelles sont tes inquiétudes, Kyoko? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Nerd alert! Okay. Over my undead body, literally. Ok. Je vais dropper les munitions. 6 munitions, putain, ouais. Il y en avait des munitions dans ce sac-là. On va dropper aussi. Ah, j'avais rien mis dans le coffre. Bon, tant mieux. Droppons toutes ces affaires-là. Good. Bon. On va aller voir. Notre pêcheur est mis à l'autre bout. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Mon char est en train de finir, va bientôt exploser. On va essayer d'éviter de prendre trop de dégâts et de rentrer dans les zombies pour le fun. Parce que disons-le, c'est plaisant de croiser des zombies. Ça va être pas trop loin ça. Bon, qu'est-ce qu'on va tout s'installer dans les petits garages? Je n'y comprendrai rien. Bonjour, messieurs les soldats. Good. After you. Arracher 10 bras de zombies. Fuck. What? Pourquoi vous voulez des bras de zombies? Étrange requête. Arracher 10 bras de zombies. Hey, une flèche d'arbalète porteur.
Oh non, ma fille a été épuisée. Oh, il change de personnage. We got a zombie approaching. Beau travail. Wow. Je sais pas pourquoi vous voulez des bras de zombies, mais bon. Si c'est pour une quête, aussi bien la faire. Faut-tu que... il faut une arme coupante que je n'ai pas. À moins que je vise leurs bras, peut-être que si je vise leurs bras, je pourrais lui couper les bras. Bonjour. Puis-je... Rar. Es-tu capable de arracher des bras? Non. Mais est-ce que je peux? Ça va être une mission un peu chiante. Comment que je vais avec le pistolet? Got some deadheads here. Hey, tu l'as arraché un bras? Bon, on va juste verger dans le top. Espérer qu'il y ait un bras qui pète. Stop kicking. Ah ouais, peut-être dans les bras, tu vois. Mon bonhomme est épuisé. Faisons tous pour moi. 3. J'ai dit quelque chose pour attirer les zombies, mais. On dirait pas. Arracher des bras de zombies. Je vois pas, je me demande bien pourquoi ils veulent qu'on fasse ça. Je pense que je vais couper et je vais revenir quand je vais avoir fini cette mission bizarre-là. Ouais, je reviens. Bon, j'ai fini la quête. Ça m'a donné accès à un allié. Gotta kill that screamer! Qui fait que je vais pouvoir caller de l'aide. C'est où? Ex-militaire, attaque du cœur sanglant. Vos alliés s'apprêtent à attaquer le cœur de peste le plus proche visible de votre mini-carte. Ils font pas ça tout de suite, right? Non. Okay. Ils sont comme super loin. C'est bien chiant ça. Enfin bref, on va aller chercher mon char. Je vais retourner à la base. On va changer de personnage parce que mon personnage est en train de s'endormir au volant quasiment. Déjà plus de souffle. Donc, les ex-militaires qui veulent des bras. J'imagine parce qu'ils n'ont pas eu assez de bras pour les aider. Bras. Let's go. Passe. Mon véhicule est bientôt HS. On le regarde s'il n'y a pas un truc pour réparer les voitures à la base. Et de l'essence, mais comme j'ai le luxe de pouvoir looter la base, on va prendre le temps de looter la base. Attends-le, cette horde de zombies-là. C'est encore là. Et voilà. Bon. Alors, tout ça. Tout utiliser les autres. On est correct. On va voir si j'ai pas plus de munitions pour mon pistolet. Maintenant que je viens de ranger les balles de pistolet. How about we get off our asses and do something about all these plague hearts? Eh hey, oh, on se calme, je viens d'en tuer un de ces plague zombies là. Ici. Ouais, pour le peu qu'elle a. Tain. Time to get some beauty rest. Time to get some beauty rest. D'accord, on va te reposer, on va prendre le relais. Il faudrait vraiment que je trouve de quoi pour guérir cette partie-là qui me manque de cœur. Ok, ça vaut pas la peine de faire ça. On va laisser le véhicule ici parce que disons-le, il est pas mal HS. J'ai-tu un sac? Alright guys, I'm ready to get back in the game. Ouais, on est prêt à retourner dans la game, mais non, t'es pas prêt vraiment. Faut que tu te reposes. Ok, viens voir. Qu'est-ce que j'ai comme arme qui pourrait être meilleure?
Hey, neighbors. You feel like being neighborly? Voilà, Rima. J'ai une mission. Une mission. C'est quoi la mission? Une toute nouvelle base. Ah, ok, non. C'est sur le chemin. Parler à Laure pour lui proposer d'aider son groupe à déménager. Ok. Ça peut être intéressant, mais j'ai pas de véhicule. J'ai un véhicule. Y'a-tu un véhicule en chemin? Ok, attends un petit peu. Avant, on va juste vérifier si je peux juste réparer mon véhicule. Où est-ce que ça serait, ça? J'ai d'essence. J'ai pas de truc pour réparer le véhicule. Ok, voyons voir. Non, j'ai pas de boîte à outils. On va essayer de faire attention. On va essayer. Je sais pas s'il n'y a pas des garages proches. Peut-être que je pourrais trouver une ressource comme pour réparer mon véhicule. Cabane d'outils. Pompe. Abri de voiture délabré. Maison jaune. Je pourrais aller les voir. Il y a un marchand ambulant pas loin. On va aller voir le marchand ambulant en premier. Voir s'il n'y a pas un truc à acheter d'intéressant. On va faire attention en route. On va conduire prudemment. En fait, non. Je pense que je vais mettre fin à l'épisode ici. Avant de continuer à faire quoi que ce soit. On se revoit à la prochaine. Bye bye tout le monde.